écoutez kasataya.com, la première web radio indépendante de Mauritanie. Pour tous les enfants du ghetto qui fight every day. Moi, j'ai donné un ordre à le boulot hier de se voir avec si et de sortir 50 euros chaque mois qu'elle va donner à la coordination qui envoie l'argent à Touche pas à mon chemin. Et moi, au nom de Ira, les gens de Ira, chaque mois, dès que je retourne à mon shop, on va donner, cotiser, même si c'est pas 5 ouguyas par femme, on va donner chaque mois 100 000 ouguyas à Touche pas à mon chemin. Et nous voudrions, ce qu'on veut, c'est que les gens qui sont ici, c'est mieux que Touche pas à ma nationalité, reste dans sa configuration première. C'est un mouvement constitué de toutes les organisations politiques et civiles qui sont contre le recensement, contre le racisme. Et comme ça, ça va faciliter les choses pour prendre de l'argent de toutes les organisations et donner le soutien. Mais étant donné qu'eux, ils ne voient pas ça de cette et ils veulent être un mouvement indépendant. Il y a beaucoup d'incohérences dans ça. Parce que parfois, ils sont des organisations, s'ils veulent exclure quelqu'un, ils disent non, ces gens ne sont pas de nous, nous sommes un mouvement. C'est beaucoup d'incohérences. Mais tout cela ne doit pas amener les gens à ne pas les soutenir. Je parle à Ousmane Ba et aux autres. Même si l'on dit nous sommes seulement une organisation, nous ne sommes pas un conglomérat d'organisations, ça ne justifie pas qu'on ne les aide pas. Parce qu'ils sont sur le terrain et parce qu'ils continuent à faire des activités. Même s'ils disent que nous, on n'accepte pas le leadership des organisations, nous sommes au moins indépendants, mais on doit aussi continuer à les aider. Il y a un problème. On doit aider ces gens à ne pas mener la guerre contre les radis. On doit les aider même à ne pas mener la guerre contre les mots. Pourquoi pas? On ne peut pas mener la guerre contre les mots. On doit les aider à mener la guerre contre le système. Contre le système. On doit les aider à agir par la non-violence.